Nicole Ferroni. Non, mais là, non. Non, je suis désolée. Roger Paul, non, là, je suis pas... On était bien, là. Mais non, mais pour une fois, les gens, ils sont pas en train de réfléchir à militer, machin. On n'était pas en période électorale, on n'était pas en mai 68. Et là, voilà, alors tu viens, on était tous apaisés, et puis un Marx et ça repart. Non, ah, c'est le... Ce que veux-tu, c'est le job je du suis... philosophe, ça. Non, c'est... Je suis... Mais il n'y a pas que la perturbé. Révolution dans la vie, il y a la soumission aussi. Moi, j'adore les mardis philosophie, mais les mardis contestation, non, je l'ai déjà dit, ce n'est pas sa place. Alors si toi, ça te chante de faire après le printemps arabe, eh ben, tu fais ton printemps français, mais c'est bien. Mais ne le fais pas, n'oblige pas tous tes congénères à le faire avec toi. Mais non, mais il vient, alors lui, il se fait plaisir, 5 minutes à la radio, machin. Mais c'est pas toi, après, qui va gérer tout le peuple en colère. Alors après, bien sûr, on va dire, oui, c'est pas mon boulot, ça, les policiers, ils ont qu'à le faire, les politiciens aussi, de gérer et cadrer le peuple. Mais tu crois que ça lui fait plaisir, aux policiers, après, de devoir taser un pauvre Ardéchois qui bouffe des châtaignes et qui essaie de militer contre le gaz de schiste? Non, ça lui fait pas plaisir. Mais il le fait. Il le fait pourquoi? Parce que s'il le fait pas, et ben dans 30 ans, on n'aura pas du gaz de schiste. Et quand il y aura plus de pétrole, comment tu vas venir à la radio, hein? En voiture électrique, peut-être? Et tu penses que c'est en voiture électrique tu vas choper des meufs? Ben non. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a? Et ben voilà, tu te feras pas entretenir, et puis résultat, tu vas rester quoi? Philosophe. Ah ben super. Super. Non, mais alors là, ça me... Nicole Ferroni. Mais non, mais excusez-moi, non, mais en plus je vois où il veut en venir, Marx. Alors oui, transformons le monde et blablabla, éradiquons les inégalités, préservons la diversité. Je suis désolée, Roger Paul, mais moi je trouve que l'inégalité est un formidable moteur de diversité. C'est parce qu'il y a des inégalités comme ça qu'on peut créer une telle palette d'êtres humains, avec des très très pauvres qui n'ont rien et à qui on le prend quand même, et des très très riches qui ont tout et à qui on voudrait donner encore plus. Parce que si tout le monde a un Porsche 4x4 Cayenne, et ben on l'apprécie pas, c'est parce qu'il y en a d'autres qui roulent en Twingo qu'on aime bien. Et puis en plus, si tout le monde va bien, après quoi, on va avoir quoi aux infos du JT? Des gens souriants, c'est ça. On saura même plus reconnaître la pub du JT dans ce cas-là. Alors que là, au moins, tu as la famille Ricoré, publicité, famille déprimée, réalité. Tu vois, c'est ça qui est important. Nicole Ferroni en pleine forme. Non, et puis alors Marx, en plus, il arrive, alors genre, oui, à présent, il s'agit de le transformer. Mais on fait quoi, là, depuis 200 ans? Excusez-moi, je veux dire, quand même, 30% de plus de CO2 dans l'atmosphère en même pas deux siècles, des trous d'ozone, mais comasse. La banquise, elle perd 30%, là, depuis 30 ans, avec des ours blancs qui meurent. Mais il n'y a pas que les ours blancs, en plus, qui meurent. La disparition du mammouth, c'est qui? C'est nous. La disparition du dodo, c'est qui? C'est nous. La disparition des dinos... Non, ça, c'est pas nous. Mais ça aurait pu être nous. Parce que nous, on arrive quand même à faire disparaître une espèce toutes les 17 minutes. Donc, à la fin de l'émission, on pourra dire, yes, 600 moins. Alors, et puis il n'y a pas que les humains, il n'y a pas que les animaux, il y a les humains aussi. Parce que par exemple, les Indiens d'Amérique, ils se sont pas trucidés comme ça, tout seuls, avec des pauvres petits poignards. Et les aborigènes d'Australie, ils sont pas devenus alcooliques par l'action du Saint-Esprit. Et quand l'autre, il va me dire, oui, il faut le transformer à présent, mais il croit que je fais quoi, moi, de ma journée? Je joue au squash, peut-être? Attends, non, tous les jours, je transforme mon monde. Moi, ma voiture, elle roule pas à l'eau, hein, je bouffe pas du sable. Non, je bouffe des biscuits avec de l'huile de palme. Et l'huile de palme, c'est 3/4 des forêts en moins, avec des orang-outans qui meurent. Mais moi, si je m'écoutais... Mais oui! Mais moi, si je m'écoutais, l'orang-outan, je le croise, mais attends... Mais moi, j'attends à chaque petit déjeuner, quand je bouffe du Nutella, mais je le défonce, l'orang-outan! Moi, je le vois en tête à tête, l'orang-outan, je jette des cailloux! Je dis, mais tiens, éteins-toi! Ça a l'espèce de singe inoffensif! Alors qu'ils viennent pas me dire que je m'occupe pas de mon monde. Mais ça, c'est les communistes. Ils sont carrés comme ça. Les petites œillères de communistes, avec leurs petites pensées de communistes, le collectif, il le voit pas. Alors Marx, je ne sais pas si tu m'entends d'où tu es, mais je te le dis, le monde, c'est pas la peine de vouloir le transformer, c'est déjà fait. C'était Nicole Ferroni.